Le général Georges Alain est un homme d'autorité, c'est un homme de conviction. Il alliait aussi cette possibilité de pouvoir comprendre de l'intérieur ce que les catholiques vivaient. Je crois que c'est quelqu'un qui, tout au long de ces 4 années, a permis de fédérer les équipes. Il avait comme but de pouvoir réunir les gens, que ce soit des partenaires, que ce soit l'Église, que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit les différentes entreprises, que ce soit les architectes, de réunir les uns et les autres pour travailler à ce but qui est l'ouverture de la cathédrale en décembre 2024, aussi bien pour les visiteurs que pour le culte. Je n'ai aucune inquiétude sur le fait que la cathédrale puisse rouvrir en décembre 2024, même après la disparition du général Georges Alain, parce que ce qu'il a entamé est aujourd'hui, d'une manière définitive, enclenché. Dans la foi, je sais qu'il sera présent le jour de l'inauguration de la cathédrale et que nous lui rendrons grâce pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment un artisan extrêmement important de sa reconstruction.